Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter les emplacements des soucoupes volantes. Alors il faut savoir qu'il y a 5 emplacements fixes de soucoupes volantes, donc il y en a une à Steamy Stack. Voilà, juste ici. Il y en a une au camp de la morue. Ensuite, il y en a une à Dirty Docks, juste ici. Ensuite, il y en a une au camp complexe. Voilà. Et la dernière, elle se trouve à côté de Weeping Woods, donc juste ici. Alors, bien entendu, je vais vous les montrer en gameplay. Mais il faut savoir aussi que les villes qui sont écrites en mauve comme ça, ça veut dire qu'il y a 3 soucoupes volantes contrôlées par des bots. Et en fait, quand vous allez tuer le bot... Donc vous détruisez la soucoupe volante une fois, le bot va sortir de cette soucoupe volante. Vous pouvez le tuer le bot et ensuite récupérer la soucoupe volante. Donc à chaque fois qu'il y a un nom de ville mauve comme ça, il y a 3 soucoupes volantes que vous pouvez obtenir. Donc ça change à chaque game. Là par exemple c'est à Lazy Lake, à Bonnet Burbs et à Retiro. Donc à ces emplacements, donc il y a déjà 3, ça fait 6, ça fait 9 soucoupes volantes. Plus les 4 emplacements que je vais vous montrer, les 4 emplacements fixes, ça fait 13 soucoupes volantes à chaque game sur Fortnite. Donc maintenant, je vais vous montrer les emplacements fixes. Donc je vais commencer par celle de Steamy Stack. Je pense que c'est la plus connue, hein. Alors celle de Steamy Stack, elle se trouve juste ici. Il y a les deux grosses cheminées et elle se trouve juste devant l'entrée de la Kévolution Énergie. Voilà, voilà. Faites attention parce qu'ici, il y a des bots. Ils vont vous tirer dessus directement quand vous prenez... la soucoupe volante. Donc là je vais vous montrer un autre emplacement. Donc je vais vous montrer celui qui est le plus proche, qui est Dirty Docks. En plus vous pouvez repérer les soucoupes volantes parce qu'en fait il y a une fumée bleue qui dégage l'emplacement de la soucoupe volante. Donc dès que vous arrivez dans une zone, si vous voyez une fumée bleue comme ça, ça veut dire qu'il y a une soucoupe volante juste au pied de cette fumée. Donc je vais vous le montrer là tout de suite là. Regardez, on peut l'apercevoir. Elle se trouve en plein milieu des conteneurs. Donc je vous montre qu'on peut bien l'utiliser. Voilà, regardez, hop. Là aussi, il y a des bots. Je pense qu'il y a des bots à chaque fois ou à chaque emplacement de soucoupe volante fixe. Donc faites attention quand même. Donc là, je vais vous montrer celle qui se trouve au camp de la morue. Alors la grosse soucoupe volante là-haut, bien entendu, on ne peut pas l'utiliser. C'est bien dommage parce que sinon, j'aurais bien écrasé la map de Fortnite, MD. Mais non, on ne peut pas. Alors ça, c'est les soucoupes volantes que je vous avais dit. Hein. Là, je passe près de Retiro. On peut voir que le nom de Retiro sur la minimap est en violet mauve. Et en fait, vous voyez bien qu'il y a 3 soucoupes volantes. Donc pour pouvoir l'obtenir, en prendre une, il faut la détruire une fois. Et ensuite, ben, quand vous l'avez détruite, le bot va sortir de la soucoupe volante. Bien entendu, la soucoupe volante va se réparer parce qu'elle peut se réparer 3 fois au total. Donc c'est la vie que vous voyez en bas à gauche. Donc voilà. Donc là, on arrive près du camp de la morue. Ah ben vous voyez, au camp de la morue, il n'y a pas de fumée bleue et il n'y a pas de botte. Et elle est cachée dans un buisson. Donc à mon avis, ça c'est un petit easter egg. Donc voilà, du camp de la morue, hop, je vais sauter et je vais aller prendre celle-là. Effectivement, si on saute de trop haut, eh ben on se tue. MDF. Alors je suis revenu à l'emplacement et regardez aussi quand votre soucoupe volante est en batterie faible. Bah vous sortez de la soucoupe, hein, tout simplement, et regardez, en fait, elle va se recharger automatiquement. Regardez, là, la jauge, elle se recharge. Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'essence, et voilà, essence illimitée, quoi. Donc là, regardez la batterie. Voilà, batterie 76, 100%. Hop. Alors là, je vais reprendre cette soucoupe volante. Hein. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer un autre emplacement. Ah oui, donc là, c'était le camp de la morue. Hein. Sur la map, c'est juste ici. Comme je vous l'ai montré en début de game. Donc Dirty Dog c'était ici, Steamy Stack. Là je vais aller à Catty Corner, ah non, à Corny Complex plutôt. Et je vais aller vous montrer cet emplacement là-bas. Ah, c'est très intéressant ça en fait. Les aliens ne voyaient pas que c'est moi. Donc en fait je passe inaperçu. Est-ce que si je leur tire dessus, ils vont m'attaquer? Ah, ça ne leur fait rien? Comment ça, ça ne leur fait rien? Donc ça veut dire que on peut pas attaquer. On peut pas s'attaquer entre soucoupes. Ah si, il me semble bien. Ah oui, et là. Ah oui, et là il m'attaque, ok. Il a capté que j'étais un intrus.
Ok, c'était juste pour tester. Alors, celle qui se trouve près de Corny Complex, elle se trouve juste ici, regardez. En dessous de ce pont-là, elle est vraiment bien cachée. Et en plus de ça, elle n'est pas protégée par des bottes. Donc, c'est un avantage. Regardez, elle est juste ici. Voilà, voilà. C'est bien qu'il les cache comme ça. Il y a des petits easter eggs, c'est plutôt pas mal. Donc, ok. Là, je vais vous montrer le prochain emplacement. Donc, il se trouve en plein milieu de la map. Non, il n'y en a pas en plein milieu de la map. Je croyais qu'il y en avait une, mais non, il n'y en a pas. Donc, la prochaine, elle se trouve à Weeping Woods. Donc, juste ici, je vais vous montrer ça. Donc, voilà. Près du restaurant Der Burger, on peut voir la soucoupe. Il y a la fumée bleue. Donc, quand il y a une fumée bleue, en fait, c'est qu'il y a des bottes juste à côté. Hop. Donc là, on prend la soucoupe volante. Et on se barre avec un bot. Trop stylé. Donc voilà, je vous ai montré les emplacements de toutes les soucoupes volantes. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Yummy, bruh.